Moi, c'est Trainette. Et elle, c'est ma proprio. Ça fait un bail que je crèche ici. Et chaque semaine, c'est le même cirque. J'attends qu'une chose, le dimanche. Bah ouais, je fais partie des occasions spéciales, moi. Alors la semaine, c'est pas franchement pour moi. Mais en attendant la libération, faut que je me coltine les humeurs quotidiennes de la proprio. Là, il y a les bonjours. Elle est rapide. Mais il y a aussi les matins d'indécision. Garde-moi ça. Diplôme. Elle va encore se mettre la même chose qu'hier, je suis sûre. Il y a les jours où elle dit même pas bonjour. Mal poli, va. Puis il y a les jours où elle se fait des kiffs. Comme ça. Avec les copines du placard. Les pauvres. Il y en a qui voient le jour qu'une fois par an. Le pire, c'est le samedi. Je parie qu'elle va prendre un vieux legging pourri pour aller au cinéma et encore tout laisser ouvert avec la lumière, bien sûr. Mais la vraie mouise, c'est quand même l'autre petite robe noire quand elle se la ramène. Si tu crois que tu vas me faire de long, toi, avec ton samedi soir tout naze, tu peux toujours rêver. Moi, je peux sortir tous les soirs, et même en journée si je veux. Je t'ai déjà dit, t'es old school. 2013, je comprends même pas ce que tu fous encore dans cette penderie. Ouais, ok, allez, casse-toi, fais pas chier quand tu rentres, tu seras bien aimable. Pourvu qu'elle aille direct aux salles pour la semaine, celle-là. 14h, Saint-Germain-des-Prés. Ok. Ça y est. Elle l'a eu au téléphone. Pourvu qu'il emmène brancher. Pourvu. Je m'habille rapido, simple. Non. Abruti, annule. Ah, c'est bon, t'as réussi à annuler? Oh, yes. Dans une heure chez moi et je prends le temps de me préparer tranquille alors. Hein. Ok, bisous. Yes. La clope celle-là. Non, t'inquiète, je ferai la machine la semaine prochaine.